Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, donc si je veux changer les autres, il faut d'abord que je me change moi-même. Alors vous savez tous que nous sommes donc des atomes vibratoires dans un corps d'eau. Donc inconsciemment, nous émettons une fréquence vibratoire comme une antenne magnétique. Donc c'est exactement le même principe comme actuellement avec la résonance de Schumann au niveau de la Terre. Qui évolue dans des états de conscience supérieurs. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y aura tous ces désagréments, hein, qui n'en sont pas vraiment, avec les différentes crises que vous connaissez tous, les gilets jaunes, etc. Voilà. Alors, on est à la campagne ici, on est chez moi, donc ne vous étonnez pas, il y a un petit peu de bruit avec les canards, les poules, etc. Voilà. Et les chiens. Donc tout est résonance. On est dans une résonance donc universelle. Donc tout ce qui est intérieur est extérieur. À partir de ce moment-là, nous émettons une fréquence universelle, comme sur les bandes FM d'une radio. On va attirer à soi ce que l'on va penser, ce que l'on va verbaliser et ce que l'on va faire aux autres dans toutes les natures que ce soit. Donc, si vous êtes un chef et que on vous demande la tête de votre subordonné, dans tous les cas, vous allez subir cette conséquence qui est karmique. On le retrouve dans le bouddhisme, hein, parce que dans la chrétienté, malheureusement, on n'a rien inventé, tout a été caché. Donc c'est pas si vous cherchez des pistes sur le bonheur, sur la vie, etc. C'est pas là où vous allez avoir les réponses. Malheureusement, je sais bien, ça a été fait comme ça. N'oubliez pas que toutes les religions, je dis bien toutes les religions, ne sont que les paroles de l'homme et en aucune manière celles du Dieu, hein, du Dieu universel, le Dieu créateur. Hein. La dernière fois. Une dame m'a dit, seul Dieu peut faire ceci, cela, mais elle est encore dans les fantasmes de son esprit. Dieu n'a jamais dit ceci ou cela. Dans toutes les saintes écritures, comme on les appelle, c'est l'homme, les copistes, l'ego de l'homme qui a tout interprété. On retrouve des fondements qui sont vraiment stables dans les tablettes de la loi, etc., que nous avons aussi dans les lois sociétaires, hein, justes ou injustes, hein, voilà, parce que l'homme encore est là, hein, malheureusement. Hein, on voit très bien que dans une affaire similaire, que vous soyez un député, que vous soyez un citoyen lambda, la punition sociétaire ne sera pas la même. Donc vous voyez, donc il y a aussi une injustice. Donc il faut savoir que tout ce que l'on fait à l'extérieur, même dans le boulot, on va avoir une conséquence karmique. Je tiens à dire justement, les gens qui sont beaucoup, parce que je connais ce côté-là, catho, etc., que tout ce que vous croyez n'est pas la réalité, n'est pas la vérité. Hein, c'est ce qu'on a essayé de vous faire croire aussi. Donc là, c'est encore des pensées limitantes que vous avez reçues par une éducation pour être un bon mouton sociétaire et pour servir la société. Hein, voilà, mais en vous desservant vous-même. Malheureusement, vous vous desservez. Hein. Vous voyez, de toute façon, quand vous travaillez pour un patron, vous vous desservez. Vous servez la société qui a besoin de vous. Et à côté de ça, vous n'avez plus de temps pour vous, pour vivre. Hein, parce que vous vivez sans vivre, etc. Il faut, à la limite, mieux aller vivre à l'étranger avec la retraite que vous pouvez avoir ou les points que vous avez accumulés ou recréer un business avec un peu moins, mais avec moins de taxes aussi. Voilà, puisque vous vivez mieux et vous n'êtes pas non plus, vous n'avez pas le couteau sous la gorge comme l'Europe actuellement là, avec tous ces salariés qui manifestent dans les rues. Voilà. Donc tout ça, c'est une résonance d'immaturité et d'un peuple qui peut être immature en votant des gens qui ont des étiquettes de Rothschild notamment, hein, comme il y a eu, voilà. Donc moi, j'étais en France à cette époque-là et j'ai certainement pas voté pour lui. Voilà, donc je tiens à le dire, voilà, mais ça a peu d'importance. Voilà, il faut vraiment être en conscience pour le comprendre. Hein. Si vous avez voté pour ce monsieur, eh bien, vous n'êtes certainement pas en conscience et non plus vous n'êtes pas éveillé. Donc voilà, et en rien c'est du jugement, ce n'est que du discernement. Voilà, ce que je viens de vous dire.
Donc, sans vouloir faire de politique, il faut travailler sur soi, c'est-à-dire qu'il faut avoir une faut être obstiné dans la vie pour réussir, ce que vous voyez chez moi notamment. Et puis, par exemple, hier soir, je suis rentré, j'ai déplanté des arbres d'un côté, je suis allé les replanter de l'autre, hein, du restaurant à Vannes, pour les mettre ici à la campagne où on habite. Et parce que bah, j'avais décidé de le faire et que je sais que l'herbe, c'est une vie et que bah, je veux préserver cette vie en le plantant. Donc Van, elle me dit, mais t'es obstiné, Laurent, ça se voit que quand tu veux quelque chose, tu l'obtiens parce que, en fait, t'es un bosseur. Voilà, donc tout part de là, c'est le vouloir. Et c'est ce que n'ont pas compris les gens qui sont dans l'addiction. Voilà, malheureusement, ils ont besoin d'un tuteur extérieur pour combler des vides extérieurs liés à leur peur, etc. Hein, les surmédicaments, les gens qui sont avec d'autres produits non autorisés, parce qu'en fait, ils veulent fuir par rapport à leur conscient et leur inconscient, par rapport à des peurs et à des manques qu'ils ont dans la vie. Voilà. Donc, si je veux obtenir tout ce que j'ai envie d'avoir, il faut que je sois dans cette résonance-là, sinon j'obtiendrai l'inverse. Donc, j'avais fait une vidéo là, il y a quelque temps, quelques mois, dans un aéroport, en disant que la souffrance était illusoire. Effectivement, elle est illusoire. Alors, ça avait choqué un monsieur, parce qu'en fait, il n'était pas dans cette conscience. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est notre pensée, et uniquement notre pensée, qui crée notre vie. Donc, si je souffre au moment présent dans ma vie, certes, à ce moment-là, elle n'est pas illusoire puisque je souffre, mais elle a été illusoire puisque je l'ai pensée et que je me l'ai créée à ce moment-là. Donc voilà, donc parce que je continue à maintenir ma pensée, ma visualisation sur le problème, qui n'est pas le problème, qui est un enseignement. Mais je ne veux pas le voir comme un enseignement, je préfère le voir comme une victime. Et à ce moment-là, je me le crée et je fais gonfler ce problème jusqu'à son paroxysme. Et donc, d'une illusion de la pensée, elle est venue se matérialiser. C'est ce qu'on retrouve dans les sciences, etc., où on dit que c'est la pensée qui crée la matière. Et même la science traditionnelle cartésienne le confirme. Donc, en ça, elle est illusoire, puisque à l'origine, elle était illusoire et on a décidé nous-mêmes de la créer. Donc voilà, donc cette vidéo avait été faite dans un aéroport où je suis souvent, puisque vous savez que je fais des stages en international. Voilà, la Guadeloupe et la Guyane m'attendent là bientôt. Et justement pour éveiller encore plus de conscience. Voilà, donc à partir de ce moment-là, vous avez décidé d'être vous-même votre propre patron, donc intérieur, je travaille sur toutes mes blessures, puisque j'ai décidé de tout ce que je vais créer ne va pas appartenir à quelqu'un. En tout cas, sur le plan financier, mais il n'appartiendra qu'à moi-même. Donc, voilà. Donc, en ça, j'ai guéri ma facette, et ma facette donc de professionnel devient mature, donc devient réalisée. Voilà. Donc, les gens qui vont comprendre pas comprendre la maturité et l'immaturité seront encore dans des peurs inconscientes, etc., qui vont faire gonfler à leur paroxysme. Voilà. Et parfois, bah, ce sera des gens qui seront sous l'emprise de drogue. Justement pour fuir leur réalité. Et les drogues, c'est juste pour fuir la réalité, comme l'alcool, les médicaments, voilà, toutes les substances, etc. Donc voilà, en ça, c'est immature, c'est-à-dire c'est une fuite, mais c'est inconscient. Il faut rentrer dans les prises de conscience, hein, qui sont le début de l'éveil, voilà, et pour pouvoir le changer et le guérir en soi. Voilà. Donc, il n'y a qu'un travail au quotidien sur soi qui peut vous faire avancer, vous faire éveiller, vous éveiller, et par des stages de développement personnel notamment ou des thérapies individuelles. Le stage vous coûtera moins cher puisque c'est des journées complètes qui correspondent à peu près à 2-3 heures de soins collectifs. Et là, vous avez 7 heures à peu près 6 à 7 heures de stage. Donc voilà. Donc, il faut se remettre en question. Voilà, pour que les autres changent. Alors, à la limite, en fait, les autres ont été programmés par rapport à vos incarnations précédentes en disant, voilà, bah, je choisis ma famille d'âme par rapport à régler toutes ces épreuves-là,
tac, tac. Donc, je vais être mis dans une famille sans choisir papa et maman, hein. Je les choisis pas par rapport à leur nom, je les choisis par rapport aux épreuves à régler. Et de là, dedans, il y aura des gens qui seront éveillés, qui seront là pour faire évoluer toute cette famille en conscience, pour les faire évoluer spirituellement et les transcender. Et parfois, il y a des gens comme moi, par exemple au sein de ma famille, qui sont là pour faire évoluer les gens, parce que les autres ont préféré rester dans la souffrance et dans la matière, et ne pas quitter leur conjoint, par exemple, parce qu'ils sont en dépendance affective. Voilà. Donc, il faut savoir se respecter, mais il faut savoir aussi se remettre en question, savoir est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort. Parfois, quand on fait deux, on se rend compte, parfois, quand on fait deux choses à la fois, par exemple, je conduis, et puis, admettons, je me dispute avec ma femme ou mon homme en conduisant pour une raison X ou Y, j'ai du mal à discerner le bien du faux, en fait, hein, le bien du mal, parce que je ne suis pas posé. Donc, voilà, voilà, à ce moment-là, bah, je dois prendre en conscience ce qui se passe et ce qui ne va pas, et répondre avec la voix de mon âme et non avec la voix de l'ego. C'est ce qu'on voit dans mes stages, pour pouvoir réaliser toutes nos facettes. Hein. C'est-à-dire que tout ce que vous n'avez pas réalisé dans votre vie, tous vos manques actuellement dans votre vie, nous vous apprenons à, en fait, à les guérir dans les stages, etc. Vous savez que je viens entre le mois de mai et le mois de juillet cette année 2019, donc en Europe notamment, pour justement vous faire avancer en conscience, puisque en fait il n'y a rien de plus beau que d'aider les gens voilà, à les sortir en fait de leur tracas quotidien, puisqu'en fait on est nous-mêmes une âme. Un divin incarné. Et une personne qui ne se réalise pas, c'est une personne encore qui est blessée et qui est dans le manque de confiance. Donc, par rapport à tout ça, on vous apprend à réavoir confiance en vous pour vous libérer et libérer le divin en vous. Et après, vous êtes connecté, donc le corps physique est connecté avec son corps émotionnel, son corps de pensée et son âme en direct. Et il lâche ses émotions quotidiennement et en permanence. Donc voilà. Donc et à partir de là, on évolue convenablement et on ne souffre plus et on n'attire plus des chefs dogmatiques. Les chefs, si vous attirez des chefs qui s'en prennent à vous comme une victime et eux des bourreaux, c'est que vibratoirement, vous êtes non réalisé sur cette facette. D'être humain, d'adulte, qui est en faiblesse et qui est encore un enfant intérieur, en blessure, en rapport avec toute sa vie du passé, donc de ses incarnations qui n'ont pas été réalisées avec les traumatismes qu'il a pu avoir, ou une femme, hein. Voilà, et pour donc apprendre à le dépasser. Donc il faut apprendre à savoir dire oui et à savoir dire non, et non percevoir la chose comme. Je suis une pauvre victime, etc. Donc, bien sûr, nous savons que nous évoluons aussi dans un monde de personnes qui sont immatures. Donc, il faut réapprendre aussi à travailler sur soi. C'est ce que je disais dans un de mes posts. Les personnes intelligentes sont eux-mêmes leurs propres patrons et les personnes instruites ont besoin d'être soumises par un patron. Donc, et travailler pour le patron. Donc voilà, donc en rien, une personne qui est comment dite instruite et intelligente, ça va pas de pair. Voilà. Donc voilà, donc les personnes qui sont intelligentes travaillent réellement pour elles et uniquement pour elles. Les autres, bah, ce sont restent des moutons. Alors c'est sûr, vous avez une évolution comme nous tous, et quand vous le comprendrez, bah, vous allez prendre votre envol, etc. Et c'est ce que je dis à des thérapeutes qui font appel aussi à moi, qui n'arrivent à avoir aucun client ou très peu de clients. Je leur dis, voilà, bah, c'est par rapport à vos blessures. Et actuellement, si vous n'avez personne, c'est vous n'êtes pas prêt, thérapeute, parce qu'il y en a plein, notamment dans le Var, qui est mon ancienne région, parce que souvent, je les retrouve sur mes stages.
Et je les aide à se réaliser enfin, puisque en fin de compte, c'est leur blessure qui prédomine tout. Voilà, donc évoluer sans arrêt en conscience, en prise de conscience. Et c'est pas parce que vous croyez que l'autre vous manque que et que vous savez très bien que vous êtes en dépendance affective que vous croyez que c'est de l'amour. En aucune manière, c'est de l'amour. Quand votre conjoint vous manque et que vous êtes sur votre lieu de travail, admettons, ou séparé de lui, vous êtes uniquement à ce moment-là en dépendance affective, puisque vous avez besoin, comme un enfant, que votre conjoint vous tienne la main. Voilà. Et uniquement cela. Donc, il va falloir travailler sur vous, sinon vous allez souffrir toute votre vie. Et puis, de toute façon, la vie vous fera qu'accentuer toute cette problématique de cette schématique, puisqu'on est, c'est comme ça, c'est pas moi qui le décide, c'est les lois universelles. Quand on refuse, c'est comme un enfant, quand le parent n'a pas compris qu'il faut qu'il coupe le lien financier, par exemple, et qu'il arrête d'assister tout le temps son enfant, arrivé à un moment donné, la vie fera que le père ou la mère qui fera ça devra disparaître, c'est-à-dire qu'elle devra mourir. Ça fait partie des liens karmiques, des épreuves, des enseignements de vie, aussi durs soient-ils que par rapport à toutes ces personnes qui le comprennent. Et voilà, parce que elle devra disparaître, parce que vous devrez à ce moment-là vous démerder par vous-même pour régler cette facette du financier qui doit payer ses factures et doit travailler par lui-même pour s'en sortir tout seul. Et donc, la conscience cosmique dira, voilà, je reprends le père, puisque le père, c'est le bras tendu financier. Voilà. Donc, quand vous devez aider les personnes, c'est de temps en temps, c'est pas tout le temps. Et arrive un moment, quand ils ne comprennent pas, là, il faut couper définitivement, parce que ce n'est pas leur rendre service. Hein. C'est vous, en tant que parent, la plupart, vous êtes parents quand vous m'écoutez. Vous comprendrez plus tard pour ceux qui auront des grands-enfants et qui demanderont toujours de l'aide financièrement et qui ne voudront pas travailler ou qui vont quitter l'école très tôt, etc., qui feront la vie quelque part à l'envers. Hein. Voilà. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est trouver son chemin. Quand on a des diplômes, ça aide, mais ça ne fait pas tout. Voilà, donc moi on le voit, moi j'ai un BTS en gestion notamment, et ça n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement, mais ça m'a donné des bases et ça m'a donné aussi le sens de travailler. Et voilà, et donc on sait que toute peine mérite salaire, donc peine c'est un grand mot, mais c'est-à-dire tout travail. Et à partir de là, on comprend en fait de compte que quand il y a un travail, il y a toujours une réussite qui suit derrière. À condition dans cette bonne résonance, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance à la vie, de voir ce que j'ai décidé de croire au positif pour créer. Donc aussi bien si j'ai envie d'avoir un conjoint, il faut que je pense que ce conjoint, je le veux. Et il faut pas dire comme une dame que j'ai eue la dernière fois qui était dans le Var ou sur Marseille, il me semble, en webcam, qui me disait, mais de toute façon... À chaque fois que je vais vendre ceci ou cela, j'y arrive pas. Mes concurrents, ils arrivent à vendre, moi, j'arrive pas à le vendre, etc. Et puis voilà. Et donc, elle créait ça. Et donc, forcément, à chaque fois qu'elle allait vendre son bien, elle le loupait. Pourquoi? Parce qu'elle croyait que l'autre était meilleur. Et donc, elle se conditionnait déjà là. Donc, vous voyez. Donc, tout est une question de conditionnement. Parce que papa, maman m'a fait croire ça, ou des épreuves de vie m'ont aussi fait croire. Et la société vous fait croire aussi que vous avez besoin de travailler aussi pour les autres. Et c'est faux tout ça. C'est faux. Il faut que vous effaciez tout ça de votre tête. Voilà. Il faut que vous le reprogrammiez. Alors, si vous ne savez pas le faire, je le ferai avec vous. Tout ça, en séance individuelle ou collective. Donc voilà, et des poules à côté de moi. voilà, donc c'est important, et votre cadre de vie aussi est important. Hein. C'est pour ça que j'ai décidé de venir vivre à la campagne, parce que c'est quand même plus calme que la ville où j'étais avant. On est à peu près à 30 km de voiture de la ville où Van travaille. Et donc j'en profite souvent le matin à faire des vidéos. Et donc il faut absolument que vous compreniez que depuis que la médecine quantique existe, on a compris que en fait l'homme est créateur de lui-même, c'est-à-dire que
c'est sa pensée qui crée ses actes. On le voit dans la guerre, on le voit aussi dans l'amour. Voilà, donc vous le voyez, quand j'aide tous ces SDF qui peuvent être ici, à chaque fois je leur fais un enseignement quand je leur donne. Hein, je leur dis tout salaire mérite un travail. Et donc en rien, en aucune manière, la mendicité est un métier. Souvent ils vont dire c'est mon métier d'être mendiant. Non, non, je leur dis ce n'est pas votre métier d'être mendiant. Alors je passe par la traduction de Van, puisque moi je ne parle pas laotien. Voilà, mais il faut que l'on comprend. Et quand en fait on est dans la négation, de vivre cette négation, on va encore en faire une croyance automatiquement, parce qu'on va dire la vie c'est dur. Non, non, la vie n'est pas dure, c'est toi qui te la crois dure. Et donc tu te la crées dure rien qu'en le pensant et en le matérialisant après dans ta tête. Si, voilà, donc tout ça, il faut travailler sur soi, il faut faire des stages de développement et pour avancer en conscience et pour enfin croire en soi. Et voilà, et c'est votre pensée et uniquement votre pensée qui crée votre vie par rapport à votre karma et par rapport à tous les enseignements que vous avez créés. Voilà, et à partir de ce moment-là, ma résilience, moi-même, crée ma vie. Et si je crois en moi, je réussirai ma vie. Voilà, vous le voyez avec vos enfants. Vos enfants ne sont que votre matérialisation de vos peurs intérieures ou de votre bonheur, de votre amour, que toutes les blessures que vous avez guéries. Voilà. Donc, alors, c'est sûr que si vous êtes né avec des défaillances, des blessures, comme nous tous, et que vos enfants les ont encore, et vous les avez plus, c'est à vous maintenant, alors montrez l'enseignement, comment vous avez arrivé à les guérir vous-même. Et à partir de ce moment-là, vous arriverez à vous en sortir. Et si vous n'y arrivez pas, bah, venez dans mes stages. Là, voilà, j'ai des équipes qui vont venir... même de gens qui travaillent dans l'immobilier parce qu'en fait de compte, ils ne croient pas du tout en ce qu'ils font. Ils arrivent à vivre, mais ils sont beaucoup en fait dans une forme de dépression. Ils ne savent pas s'arrêter 2 jours par semaine, par exemple. Et après, bah, ils sont tout le temps dans le boulot, donc bah, ils vont se plomber le moral et après, forcément, ils vont faire des burn-out, ils vont être complètement perdus. Certains sont à la limite de suicider. Donc voilà, et après on entend à la fin du coaching ou de la psychothérapie, on dit bah, mais de toute façon mon bilan est positif. Alors à quoi ça sert de vous inquiéter? C'est ce que je leur dis. Donc voilà, donc on se rend compte que là aussi il y a une immaturité qui a été créée par des blessures qui sont devenues inconscientes et qui sont devenues un enseignement erroné par rapport à ce que c'est la vie, par rapport à leur moment présent, puisque si tu as un bilan équilibré qui est même en excellent, comme c'est le cas là, chez eux, pourquoi tu t'inquiètes? Parce qu'encore là, voilà, tu ne sais pas te reposer. Donc, les 2 jours de la semaine, ils ne les avaient pas. Donc, je leur ai dit, voilà, il va falloir mettre 2 jours dans la semaine où vous allez vous reposer et vous allez faire autre chose en sortant de votre obsession au niveau du travail. Donc, voilà. Donc, et puis, mettre d'autres prérequis au niveau... de la guérison de tout ça et après leur apprendre à se comporter autrement. Donc tout ça, ça fait partie des stages que j'enseigne, etc. C'est pour ça qu'on m'appelle à travers le monde maintenant. Et puis bah, quand je vais à l'étranger, bah, je prends un traducteur et puis voilà, je ne me complique pas la vie. Et donc, voilà. Et donc on a besoin tous de s'aider en permanence. Voilà, voilà, il y a Judith par exemple Cardona qui reprogramme donc mon stage donc à Sifour-les-Plages. Donc pour ceux qui sont intéressés ou ceux qui l'ont loupé l'année dernière, bah, vous retrouverez Judith sur Facebook, hein, au même nom que je viens de vous dire. Et si vous avez besoin de son téléphone, je vous l'enverrai. Et donc qui fait justement donc tout ce lien avec moi, qui est ma coordinatrice donc sur Sifour-les-Plages dans le 83. Mais si vous voulez que je vienne dans votre département, quel que soit votre département, même à l'étranger, il suffit que vous me faites appel à moi et que vous avez un prérequis à peu près entre 8 personnes pour me faire venir, parce que forcément il y a le transport à payer aussi et le logement. Voilà, donc il faut un minimum de personnes pour que je vienne dans votre département.
Et on va passer 2 jours magnifiques par rapport au stage que vous aurez choisi. Et je resterai aussi longtemps que le nombre des stages aura été enseigné. Voilà. Donc, je propose à peu près 6 stages différents. Et par rapport à ce que vous voudrez, bah, je resterai aussi longtemps possible. Et voilà. Donc, croyez en vous. Et tout commence par là. C'est d'abord de croire en soi. Il faut être obstiné par rapport à notre vie. Voilà. Il faut en vouloir. Hein, et sortir de ce statut de victime, de dire j'y arriverai pas, etc. Il faut arriver. Et quand vous voulez quelque chose, bah, obstinez-vous. Payez-vous des formations. Faites-les. Voyez les personnes qui les enseignent, trouvez un voilà, mais ne décidez pas par vous-même en disant bah non, moi je prends ceci ou je peux pas me le payer, mais je décide de moi-même de payer tant. Non, non, ça marche pas comme ça. Il faut un accord des deux et c'est une question de principe et d'honnêteté. Voilà, et on décide pas par soi-même. Voilà, moi je sais très bien qu'il y a des régions ou des organisateurs que je n'irai plus. Parce que bah, il n'y a pas eu un équilibre par rapport à tous ces échanges. Et voilà, donc vous en serez plus si vous devenez coordinateur. Je vous enverrai donc tout ce que je demande pour venir. Voilà. Et si les choses ne sont pas respectées, je ne viens pas. Voilà, parce que l'année dernière, on a eu aussi des désagréments par rapport à des stages, des choses des gens qui s'en sont aussi mal comportés. Par rapport à tout ceci. Donc, moi, je veux le bien de tous. Je suis quelqu'un qui est dans l'amour et dans l'échange, dans l'écoute, dans la compassion. Décider ensemble, en équilibre. Et il n'y en a pas un plus que l'autre qui décide. Voilà. Voilà. Donc, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de gens qui font un peu ce que je fais. Il y en a du tout qui ne maîtrisent pas du tout ce qu'ils font. Moi, je maîtrise tout. Parce que je suis en cohérence avec moi-même. C'est-à-dire que mes pensées, mes paroles et mes actes sont en coordination l'un et l'autre, sont alignés. Hein? Et en aucune manière, voilà, je vais vous envoyer vers quelqu'un qui sera négatif. Je vous enverrai vers quelqu'un qui est toujours positif, notamment Judith, qui a pris la relève de tous mes soins sur Sifour quand je ne suis pas là. C'est en elle que j'ai une confiance absolue dans le 83 notamment. Il y en aura d'autres qui viendront. Il y en a d'autres que j'ai formés, mais pour l'instant, ils préfèrent travailler dans les métiers sociétaires. Elle, je sais que cette année, c'est son année de changement, parce que je lui ai dit, voilà, parce que je suis aussi médium et spirit. Et elle aussi, elle l'a ressenti après que je lui ai dit. Mais voilà, il faut déjà croire en soi. Croire en soi, c'est la première clé, c'est la clé des clés. Croire en soi et uniquement ça. Si vous ne croyez pas en vous, vous ne pourrez pas réussir parce que c'est votre réussite, c'est pas la réussite des autres. Et c'est ce que je disais notamment à des prétendus maîtres Reiki qui se disent plombés par le bas astral, des entités qui sont sur eux, mais ils n'ont pas intégré cette maîtrise de maître. Ça n'a rien à voir. Parfois, c'est l'enseignant qui a mal fait son boulot, mais parfois, c'est aussi l'élève qui n'a pas travaillé suffisamment sur lui. Moi, je ne peux pas parler à la place des autres qui ont enseigné ces gens-là que je parle. Moi, en aucune manière, mes élèves ressentent des choses comme ça, négatives. En aucune manière. Pourquoi? Parce que je connais la satisfaction de mon enseignement. Donc, je peux parler de mon enseignement, mais on n'est certainement pas un maître Reiki, par exemple. Et être plombé par le bas astral, ça va pas de pair. Pourquoi? Parce que bah, il y a un bon enseignement qui est derrière, et il y a aussi un travail sur soi, et le maître, il est toujours lieu. Un bon maître Reiki, un bon enseignant chaman comme je suis aussi, est toujours en lien avec ses élèves, et quand il faut faire un travail, il le dit. La personne accepte ou elle refuse. Après, c'est aussi de sa responsabilité. C'est toujours les deux, c'est toujours un équilibre. Vous voyez? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a 5 minutes, je vous disais, si tu décides toute seule d'une chose sans parler à l'autre avant, tu es sûr que ton boulot ne va pas fonctionner, puisqu'il n'y a pas d'équilibre à ce moment-là. Il n'y a pas d'équilibre. Comprenez-les une fois pour toutes. Si vous décidez, par exemple, de ne pas payer quelqu'un parce que, soi-disant, vous n'avez pas d'argent et que vous allez passer un week-end à Cannes, etc., vous avez de l'argent pour ce que vous voulez. À ce moment-là, forcément, qu'est-ce qui va se passer au niveau des lois universelles?
tous les projets que tu montes ailleurs vont pas fonctionner ou vont être hyper ralentis. Si tu respectes l'autre, si tu es honnête envers toi-même et envers l'autre, ça va dans les deux sens. Tu vas être dans une abondance absolue. Voilà. Mais sinon, tu vas te freiner au maximum. Tu auras le pied sur le frein en accélérant en même temps. Et ça ne peut pas marcher autrement. Donc voilà. Donc, il y a une question d'honnêteté qui fait partie de cette vibration, etc. Et n'oubliez pas que quand une porte se ferme, aussi bien avec un mari, un conjoint, un travail, etc., osez briller et osez regarder la porte qui est grande ouverte, que parfois vous refusez de voir, comme pour les femmes qui sont battues, ou ça ne va pas bien avec leur conjoint, ou certains maris aussi avec leurs femmes. Osez partir, osez changer si vous avez tout essayé. Hein, si vous avez travaillé sur vous et que l'autre a voulu travailler aussi sur lui. Ça va dans les deux sens. Voilà. Si vous travaillez vous, et vous voyez que l'autre il s'en fout et que dit, voilà, c'est toi le problème, non, moi tout va bien, hein, je ne te prends pas en considération, mais tout va bien, mais je reste avec toi. Là, il faut tracer sa route. Mais il faut aussi travailler sur soi, parce que sinon, le prochain, etc., et les situations dans différents domaines vont encore être dans le négatif. Et vous allez vous maintenir dans le négatif. Voilà. Donc, c'est ce que je disais dans une citation que vous avez vue dans l'autre vidéo précédente. Souvent, l'être humain va avoir tendance à enterrer ses émotions, les mettre en carapace, mais il va croire régler le problème, mais il ne le règle en rien, puisque le prochain accident de la vie, la conscience supérieure universelle va tout faire pour créer un désordre, soit un décès, soit un accident de la route, soit vous allez vous écraser en loupant une marche dans les escaliers par terre, parce que faudra réveiller, et voilà, et parce que vous avez choisi ça, mais vous n'en êtes pas conscience, tout est inconscient dans cette incarnation. Donc, vous ne pouvez pas vous échapper de tout ce que vous avez à régler. Donc, soit vous décidez d'aller bien, et donc de régler toutes les choses les unes après les autres, du plus dur au plus facile, ou soit vous décidez de vous échapper et les lois universelles vont vous rattraper, et ça toute votre vie, et ça sera la souffrance toute votre vie. Donc voilà, donc il faut que ça résonne en vous ça, et il faut que vous décidiez de changer. Donc qu'est-ce que vous décidez? D'être en paix ou de subir en fait tous ces foudres qui sont liées à l'enseignement de la vie? Voilà, à vous de choisir et à vous de bien faire les choses. N'oubliez pas que les gens qui me font venir ont des conditions très favorables sur les stages, donc ils ne payent quasiment pas le stage. Et voilà, donc, puisqu'ils vont coordonner la mise en place et ma venue donc, sur le lieu du stage. Et donc c'est bien pour les gens qui ne peuvent pas, qui ont très peu de moyens, mais il faut aussi qu'ils travaillent eux en cherchant des élèves pour ma venue, etc. Donc c'est du donnant-donnant, hein. Donc voilà, encore un équilibre. Voilà, donc la vie n'est régie que d'équilibre. Voilà. S'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a plus de venue, il y a un abus d'un des deux côtés, etc. Et donc voilà. Donc il faut que vous en preniez conscience que dès qu'il y a un acte négatif, il y a toujours un effet boomerang. Voilà. Certaines personnes ne les verront pas ou diront « Ah non, ça c'est le hasard » ou « Je me suis écroulé dans les escaliers, mais c'est le hasard, etc. » Non, non, il n'y a pas le hasard, c'est là pour te réveiller et c'est inconscient. Mais voilà, un peu ce qu'on retrouve aussi dans les religions, tout est subliminal, on ne comprend pas parce qu'il faut être prêt à le comprendre à ce moment-là. Et puis parfois, ça a été aussi de la manipulation, ces religions-là, puisque c'est des dogmes dans un dogme. Hein, voilà, un dogme religieux dans un dogme sociétaire, donc voilà. Voilà. Donc comprenez-les, osez changer, osez briller, et si vous voulez absolument changer de votre vie, alors changez vous-même et venez vers moi. Dans tous ces stages, vous allez voir, ça va vous transcender, mais magnifiquement. Voilà. Bah, beaucoup d'amour et puis bonne journée à tous. Au revoir.